Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour BBC Hebdo, la revue de la semaine. Jetons tout de suite un œil aux titres qui ont marqué l'actualité. Nelson Mandela aurait fêté cette semaine son 100e anniversaire. L'Afrique du Sud a salué sa mémoire en grande pompe. Nous parlerons aussi du président américain Donald Trump qui a fait face à une avalanche de critiques. Et enfin, à peine né, le hockey sur gazon algérien rêve déjà de médailles. La jeune équipe espère bien réaliser ses premiers exploits aux Jeux africains de la jeunesse. Ce 18 juillet, l'Afrique du Sud célébrait la naissance de Nelson Mandela. Chaque année depuis 2008, le pays rend hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. Les célébrations ont débuté avec un discours de Barack Obama dans un stade de Johannesburg. Un discours que notre correspondante Sophie Ripstein a suivi pour nous. Plus de 15 000 personnes étaient venues écouter à Barack Obama, l'ancien président américain, qui a commencé dans son discours par rendre hommage à Nelson Mandela. Il a salué un géant de l'histoire qui, par son exemple moral, a inspiré des générations dans le monde entier. Mais dans son discours, Barack Obama a aussi regretté une époque incertaine dans laquelle chaque nouveau cycle d'actualité apporte son lot de titres préoccupants. Il a mis en garde ceux qui veulent éroder ou saper la démocratie. Écoutez. Look around. Voyez autour de vous. Les politiques de l'homme fort connaissent soudainement une montée. Et les élections, même si elles sont organisées prétendument au nom de la démocratie, ceux qui sont au pouvoir usent de tous les moyens pour en saborder le vrai sens. En Occident, nous avons des partis d'extrême droite, souvent opérant non seulement sur des bases protectionnistes, voulant la fermeture des frontières, mais aussi sur un nationalisme raciste à peine voilé. Barack Obama a donc décrit un monde à la croisée des chemins, un monde dans lequel s'affrontent deux visions très différentes pour le futur de l'humanité. Il a appelé les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à se saisir de l'héritage de Mandela pour construire une société plus juste, une société plus égalitaire, une société dans laquelle la démocratie et la diversité sont célébrées. Il a rappelé que la lutte de Nelson Mandela a été très longue pour atteindre la démocratie et il a encouragé à ceux qui veulent se lutter pour ces idéaux à être patients et sachant qu'ils devront certainement faire face à beaucoup d'adversités. Vous venez de l'entendre dans son hommage à Nelson Mandela. Barack Obama a salué la mémoire d'un vrai géant de l'histoire. Toutefois, en Afrique du Sud, tout le monde ne partage pas cet avis. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est inutile et futile de continuer à parler de paix et de non-violence. De l'appel à la lutte armée aux négociations pour la réconciliation, le long chemin vers la liberté de Nelson Mandela a été rempli de combats. Aujourd'hui, ce héros international aurait célébré son 100e anniversaire. Le photographe Oscar Gutiérrez a documenté la transition démocratique de l'Afrique du Sud et a suivi de près Mandela à travers son objectif. Je ne serais pas surpris qu'un jour l'Église catholique dise qu'il était l'un des nôtres, que c'était un ange en quelque sorte. Les choses prennent du temps, mais je ne serais pas surpris s'ils le disent d'ici 100 ou 200 ans, ou peut-être avant. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. La jeune activiste Yolanda Dianti dit que Nelson Mandela et sa génération font partie du passé. On nous gaffe toujours avec Nelson Mandela comme s'il était le seul à avoir contribué à, vous savez, cette liberté supposée que nous avons. Je ne vais pas vénérer Nelson Mandela. Il a fait ce qu'il a fait. Merci, mais bon, il n'était pas le seul.
La chercheuse et auteure Sam Winter a récemment publié une compilation des lettres que Mandela a écrites pendant sa détention. Elle estime que la critique n'est pas justifiée. Je pense que c'est très injuste envers Madiba et sa génération, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils avaient à faire. Et leur travail consistait à instaurer la démocratie. Et je pense que l'héritage de Madiba est de dire au monde entier, si vous voulez que quelque chose fonctionne, concentrez-vous sur les droits humains, l'égalité. Nous ne pouvons pas ségréguer les êtres humains. Nous ne pouvons pas tolérer davantage de violence. La seule façon de survivre dans ce monde est de suivre ce genre de valeurs. Mais dans un pays aux prises avec le chômage, le mécontentement et la hausse des inégalités, les idéaux de Nelson Mandela continueront à être relativisés. Nous sommes tellement obsédés par le passé. Le passé est passé. Le passé nous mine actuellement. C'est-à-dire qu'on peut en tirer des leçons et avancer. Tirer des leçons signifie laisser Nelson Mandela derrière nous. En RDC maintenant, le président Joseph Kabila s'exprime très rarement et cette semaine, c'est face au Parlement qu'il a choisi de donner un discours. Parmi les mesures annoncées, le renforcement de l'armée et de la police pour lutter contre les violences dans les Kivus, deux provinces régulièrement théâtre d'affrontements. Louise De Vaste. Vue du ciel, la RDC est une terre prospère, mais au sol, plusieurs conflits font des ravages depuis plus de 20 ans. À premier coup d'œil, le village de Niabiboué semble calme, mais des groupes armés dans la région continuent à tuer, piller et violer. Un nombre de victimes viennent chercher refuge ici, dans une maison d'écoute. Elles existent à travers le pays. Ici, avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge, la maison d'écoute est un lieu sûr où les femmes, les hommes et les enfants peuvent venir partager ce qui leur est arrivé et obtenir un soutien psychosocial. One of the challenges we can see here in this context of South Kivu. L'un des défis que nous avons ici dans le contexte du Sud Kivu et dans l'Est de la RDC, c'est que les femmes voyagent de longues distances et parfois elles arrivent au centre de santé quand c'est trop tard. Pour les victimes de violences sexuelles, le grand défi, c'est la stigmatisation. Cette mère de 6 enfants qui a souhaité rester anonyme a été attaquée dans sa maison. Un soir, un homme armé est entré chez elle et lui a dit de choisir entre le viol ou la mort. Elle a répondu « Les deux options sont pareilles ». Une autre mère de 6 enfants explique que son mari l'a abandonnée après avoir appris qu'elle s'était faite violer par 3 hommes armés alors qu'elle se rendait au marché. Voici une partie seulement des civils pris dans un conflit difficile à comprendre. Un conflit alimenté par une crise politique dans le pays. Au nord du lac Kivu, dans la ville de Goma, les violences contre les civils sont récurrentes. L'hôpital de Ndosho est spécialisé dans les soins de blessures de guerre. L'année dernière, ils ont reçu 500 patients, soit 12% de plus qu'en 2016. Pour beaucoup de Congolais, le futur reste très incertain. À 6 mois des élections, beaucoup craignent une détérioration de la situation. Leur histoire a captivé le monde, celle des 12 enfants et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte en Thaïlande. Eh bien, ces petits héros sont enfin sortis de l'hôpital et ils ont fait leur première apparition publique face à la presse. Ils ont raconté leur incroyable aventure. Un miracle, ont-ils dit, après plus d'une semaine passée sur terre, sous terre. Le récit de Raissa Okoy. Libérés, les 12 Wild Boars sortent enfin au grand jour, direction le minibus pour aller raconter au monde entier leur extraordinaire aventure. Ils partent sous les yeux de leurs parents, dont certains ne mesurent toujours pas leur chance. De leur côté, les garçons eux-mêmes paraissent profondément reconnaissants d'être sains et saufs. L'hôpital qui les a soignés dit qu'ils ont repris en moyenne 3 kilos et qu'ils sont tous prêts à reprendre le cours de leur vie. Un par un, les jeunes footballeurs se présentent. Hello. Salut. J'ai 11 ans, bonjour. Puis ils répondent à des questions, soigneusement encadrées par des pédopsychologues. La première question porte sur les sauveteurs qui les ont trouvés prostrés dans la grotte.
C'était un miracle. J'étais choquée. Après avoir découvert qu'on était bloqué là, on a compris qu'on était coincé. Alors on a creusé à tour de rôle les murs de la grotte pour trouver un moyen de sortir. Au moins, on faisait quelque chose pour essayer de sortir. J'ai essayé de ne pas penser à la nourriture, de ne pas penser à un bon plat de riz. Déjà, Hollywood veut raconter cette fabuleuse histoire. Mais avant, les garçons doivent finir leur conférence de presse et rentrer enfin à la maison. La semaine n'aura pas été de tout repos pour Donald Trump. Le président américain a dû faire face à une vague de critiques. Tout est parti de son refus de condamner Moscou pour son ingérence dans la campagne présidentielle américaine. C'était au cours d'une conférence de presse à l'issue du sommet de Helsinki, en présence de Vladimir Poutine. Donald Trump est ensuite revenu sur ses propos, mais chez les démocrates comme chez les républicains, la pilule ne passe pas. À Washington, des critiques sévères contre Donald Trump pour son refus de condamner la Russie, accusé d'immixtion dans la présidentielle américaine de 2016. Donald Trump qui a aussi présenté Poutine comme un homme fort et puissant. Parmi les critiques, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, qui écrit dans un tweet que le refus de Donald Trump est ni plus ni moins qu'un acte de trahison. Brennan qui accuse le président d'être à la solde de Poutine. De son côté, le sénateur républicain John McCain a déploré ce qu'il qualifie de la pire sortie en public jamais effectuée par un président américain. La réticence de Donald Trump à critiquer la Russie a déclenché des spéculations selon lesquelles le Kremlin détiendrait peut-être à son compte des informations compromettantes obtenues lors d'un voyage d'affaires à Moscou. Mais Trump est catégorique que tel n'est pas le cas. J'imagine qu'ils l'ont dit le plus clairement possible, dit-il, et n'ont aucune information sur Trump. Déclaration dite d'intérêt. On parle d'il y a plusieurs années, il y a 13, 14 ans, qu'il y avait à l'occasion de nombreux hommes d'affaires là. Vraiment, j'étais un homme d'affaires prospère et j'étais avec de nombreuses personnes. Mais ce qui est sûr, s'ils avaient ces informations, elles seraient sorties maintenant. Lors d'une interview à la télé américaine, Poutine a été invité par le journaliste à inspecter les dossiers de mise en accusation de 12 ressortissants russes accusés d'avoir piraté les ordinateurs de la campagne de Hillary Clinton. Et Poutine a décliné l'invitation, soutenant plutôt que « Tout d'abord, la Russie en tant qu'État ne s'est jamais mêlée des affaires internes des États-Unis à plus forte raison de leurs élections. » Trump devrait rencontrer des membres du Congrès et parmi eux, il y en a qui sont prêts à le défier en lui reprochant d'avoir failli à tenir tête à un vieil adversaire des États-Unis d'Amérique. Les Jeux africains de la jeunesse ont débuté en Algérie et l'équipe de hockey du pays, l'équipe de hockey sur gazon, espère bien décrocher des médailles. Un pari difficile pour cette jeune formation qui n'existe officiellement que depuis quelques mois. J'en avais entendu parler, mais en Algérie, ça n'existait pas. C'est pour ça que j'ai été surprise. Transformer en moins de 6 mois les novices algériens en champions. Pour les Jeux africains de la jeunesse, le défi assigné à l'équipe féminine et masculine de hockey d'Algérie est de taille. Il faut qu'on fournisse un maximum d'efforts pour atteindre le niveau des autres équipes. Parce qu'elles ont plus d'années d'expérience que nous. Le directeur de notre lycée, M. Merdad, nous a informé qu'il y avait un nouveau sport qui s'appelle le hockey. Il nous a invités à aller l'essayer et je me suis inscrit en rigolant pour sécher les cours. Mais finalement, avec le temps, nous sommes tous restés. Choisi parmi une centaine de sportifs, Oussama et ses camarades ont rejoint la trentaine de filles et garçons qui s'est entraînée d'arrache-pied. Toutes les autres équipes africaines de la compétition font du hockey depuis 5 ans. Donc si Dieu le veut, on fournira tous les efforts nécessaires pour bien jouer et faire honneur à l'Algérie. Tous ont dû s'adapter rapidement aux exigences de ce sport de contact, nécessitant endurance, vivacité et adresse. Pour l'instant, à peine 24 pays d'Afrique sont affiliés à la Fédération africaine de hockey. Parmi eux, seuls l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Ghana sont classés parmi les 35 premières nations mondiales. Et les jeunes hockeyeuses et hockeyeurs algériens espèrent compléter ce palmarès africain très bientôt. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, bonne soirée à tous.